C'est Lupina pour l'épisode numéro 40 du 100 bébé challenge. Woo! Oui, je me suis mise à le dire très vite et alors je suis perdue là. Voilà. Alors, je ne sais plus où on en était puisque comme d'habitude, je fais n'importe quoi. Madame est enceinte de je sais plus qui. Allez, Carillon, je voulais écouter. Je vais augmenter le son du jeu, ça pourrait être pas mal. Vas-y. Ah, oh, c'est trop mignon. On peut faire aigu. Je crois qu'il est aigu, lui. Ah, oh, c'est trop mignon. Du coup, je sais pas si vous avez entendu. Le souci, c'est que... Comment ça s'appelle? Mon truc pour filmer, là. Mon logiciel, voilà, pour filmer Bandicam, en gros, fait des longueurs, cocotte. En gros, ben, tu vas aller faire pipi, ma petite Elancia. Il prend les sons, enfin, il prend les sons, mais un peu au pif. C'est-à-dire qu'il prend les sons de mon premier, parce qu'en gros, je peux mettre deux sources de sons, et il prend mon micro, donc heureusement, j'ai envie de dire. Mais il prend très mal le son du jeu, donc je suis désolée si vous entendez pas ou peu. Clara, tu touches? Attendez, parce que... Pouit. Clara, va t'occuper de Sébastien. Pardon, de... De Seb Play. Et tu nous feras ta faim, en fait. Donc tu nous feras que tu vas manger. Tu nous feras que tu vas manger. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la déco de la maison. Parce que je crois que vous me l'avez pas dit. Donc, j'attends vos retours. Et on a encore plein de thunes. Non, mais c'est ouf cette baraque, quoi. On peut plus. Mais je viens de m'en occuper et hier, chiale. Oh, bon. Paysage. Enfin, ça. Je sais pas pourquoi j'ai pris un espèce d'accent allemand. Tiens, d'ailleurs, en parlant d'accent, même si vous allez vous en battre les steaks. C'est très drôle parce que depuis que je suis revenue en Normandie, j'ai repris dans mes conversations locales, on va dire, avec mes potes, ma famille, etc., l'accent normand. Et du coup, à chaque fois que j'ai ce relent d'accent normand, Ruru me regarde et se demande ce qu'il fout avec moi. Pour vous donner quelques exemples... L'autre jour, j'ai failli dire l'autre jour déjà, donc je bouffe les airs, en fait, les normands bouffent les airs. Enfin, je sais pas si c'est les normands ou juste les pécores, hein, parce que bon, voilà. on bouffe un peu les airs, en fait, et du coup, l'autre jour, voilà, j'ai vu un chien dans la rue qui était très drôle à voir, puisqu'en fait, il avait une tête de, comme une tête de ski, mais genre la taille, à peu près, et il avait un corps de teckel. Donc, voilà, les proportions, tout ça. Et du coup, j'étais dans la voiture et j'ai fait « Oh, le chien !» Et Ruri fait « Quoi ?» J'ai répété au moins 4 fois, et « Oh, t'aurais dû voir la tronche du chien !» Enfin, voilà. Bref, on s'en fiche. Faut vraiment que j'arrête de dire qu'on s'en fiche, parce que bon, je suis désolée, c'est devenu un petit peu un tic. Alors, comment vont tout le monde? Comment vont tout le monde? Oui, c'est... Je suis pas sûre, en fait. Clémentine, au lieu de... Tu vas les manger. Va manger. Je sais même plus c'est qui le père de... Du gosse qui est dans notre vente, là. Oui, non, mais il reste encore plein de temps. Hein. Je crois que c'est lui. Je ne suis pas sûre, parce que je sais plus... Pardon, meilleure réplique du monde, je ne suis pas sûre parce que je ne sais plus. Lupina 2016. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais tu vas pas aller te faire un barbecue alors qu'il y a plein de trucs dans le frigo? Meuf! La logique des Sims.
J'aimerais bien avoir un frigo aussi garni, n'empêche. Faites du travail supplémentaire ensemble, les filles. Ensuite, vous irez jouer, je sais pas à quoi, mais vous irez jouer. Clara, quand tu auras fini, tu iras nous faire un petit bisou. Clémentine, tu t'occuperas de ton sale gosse. D'ailleurs, c'en est où là, Clémentine, ton deuxième bébé? Non, ça, c'est le petit Seb. Troisième trimestre dans 24 heures. Je pense qu'on aura le bébé dans le prochain épisode. Ouais, tiens, tu peux faire évoluer ça. Ça, c'est bien. Faire évoluer. Faire évoluer. Faire évoluer. Ok. Hop. Oh, comment elle mange ça? Et du coup, Elantia, elle est quoi déjà? Prodige artistique. Génie. Ok. Alors, toi, c'est Joseph, oui. Et puis, toi, c'était Geoffrey. Et Seb, alors, c'est qui? Ah, c'est Aram. Ok. Donc là, ce bébé-là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, voilà. Ça résume bien. Le bidou. C'est trop mignon. Oui, je chante Amour, gloire et beauté. Problème. Récolter les produits. Clara, tu fais quoi? Clara, tu touches comme d'habitude. Clara, tu ne fais rien. Clara, tu ne sers à rien. C'est horrible. Encore un chef-d'œuvre. Oh, mais elle nous fait que des chefs-d'œuvre, elle. Hein. Oui. Bon, le. Tout l'argent qu'on a, c'est. Du coup, les filles, c'est bon? Vous avez fait votre. Mais c'est parfait, les filles. Vous êtes géniales, les filles. Alors, tu vas regarder la chaîne pour préado et toi aussi tu vas venir t'asseoir là. Si Elantia veut bien se dépêcher le popotin. Voilà, donc regarde avec ta sœur. Voilà, regardez la chaîne actuelle ensemble. C'est bien, vous êtes gentilles. On va venir s'occuper du petit. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon. Je crois qu'on a des gars d'avance, donc est-ce qu'on peut peut-être inviter. Donc lui, je pense que. Je sais pas trop où on en est en fait. Joseph, Geoffrey. Donc ces trois-là, ils sont faits. Je pense que c'est lui. Notre père actuel, et lui, c'est un père futur. Je crois. Du coup. T'as grave envie de dormir, ma pauvre. Michael et Uvario, voilà, c'est avec eux qu'il faudra qu'on fornique prochainement. Les filles, ça va vous amuser quand même? Bah écoute, ça a l'air d'aller. On est mercredi. Ah, oh, mais c'est des My Sims! Trop bien. My Sims, c'était un petit jeu, un mélange des Sims et de Animal Crossing. Enfin, c'était assez sympa. D'ailleurs, je pensais faire un let's play un jour dessus, mais j'ai complètement passé à autre chose. D'ailleurs, faut que je reprenne mes autres let's play. Enfin, je suis pas très régulière, je m'en excuse. Voilà, essayez de papoter. Elles en sont où dans l'école? B. Ok, ça c'est bon. Et toi, c'est. D'accord. Elles sont vraiment trop mignonnes. Et c'est rigolo parce qu'elles ont encore le petit nez en trompette de Clara. Enfin, et de Clémentine du coup aussi. Et je trouve ça trop, 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 trop kiki que quasiment tous les enfants aient ce petit nez significatif de la famille. Enfin, je trouve ça trop mignon. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça trop kiki. Bah Clem, si tu as rien à faire, tu vas aller pirater quelques trucs. Programmer, commencer à travailler en indépendant. Ah, ça peut être bien ça. Ah bah non, on n'a pas le droit de travailler. Mais je sais pas si c'est un vrai travail ou pas. Je sais pas trop. Est-ce qu'on peut pirater, c'est quoi? Plenosa System. Ça peut être bien ça. Plenosa, ça peut être très très bien.
Ah oui, alors d'ailleurs, on a ça. Hop là. Et voilà. Ensuite, on ira coucher tout ce petit monde. Ah, vous avez faim, les filles? Attendez. Va manger, ma petite cocotte. Allez, va manger. Et, oula, toi aussi. Toi aussi, tu vas manger. Quoi? Mais vas-y! Oh! Des pâtes au thon, mais le plaisir de ce truc. Oh, faut qu'on achète du thon. À chaque fois, j'oublie. À chaque fois, j'y pense pas. Et à chaque fois que je revois les Sims, oh, faut qu'on mange. Aïe, aïe, aïe. Bon, ensuite, comment ça va se passer? Ça va se passer que tu vas aller te doucher, ma petite Kira. Tu vas faire pipi aussi. Et tu vas faire un dodo. Et toi, pareil. Un dodo. Clara, c'en est où? Magnifique carotte. C'est splendide. Du coup, tu vas aller dormir parce que... Ah bah non, tiens, réponds. Ah non, zut, dommage. C'était juste discuter et on aurait pu, mais... Ah zut, attends. Attends. Occupe peut-être ton petit-fils avant de partir. Hop. Clara, ça se passe comment? Clara. Clémentine, ça se passe comment pour toi? Ça se passe, j'ai envie de dire. Ouais, ok. Oh, mais tais-toi, le téléphone. Oh. Toi, tu fais ça. Ok. Toi aussi. Elles sont vraiment mignonnes. Hein. Elles sont bien réussies, bravo. J'ai trop hâte, je sais pas pour vous, mais moi j'ai trop hâte du nouvel add-on. Pour ne rien vous cacher, je l'ai déjà acheté, je l'ai précommandé. J'ai vraiment trop hâte qu'il sorte. J'ai hâte de savoir ce qu'on va pouvoir faire. Ce sera peut-être pas utile dans le 100 bébés challenge, mais pour les autres séries, ça, enfin, pour au moins deux jours une partie ou même des co-duos, ça peut être vraiment sympa. J'espère que Elantia l'aura par contre, pour 2 jours une partie. Mais en tout cas, ça va vraiment être cool. Enfin, je sens qu'il va être bien. Parce que je sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression que plus ça va, plus les add-ons et les kits et les packs, etc. sont mieux. Enfin, c'est de mieux en mieux. Enfin, après, c'est mon ressenti, peut-être que je me trompe, mais c'est l'impression que j'ai. Allez, go! Ah, ça c'est bien ça. De la thune gratos. Bon, on va te coucher par contre là, ma pauvre. Oh, le bidou, il est trop mignon. Du coup, il y en a combien? Troisième trimestre. Ouais, bon, c'est mort pour le troisième trimestre. Enfin, pour le bébé dans cet épisode, les gars. Mais de toute façon, c'est toujours un peu pareil le rythme du son bébé challenge. Hein. On se fait engrosser, on attend un épisode, et puis, enfin, toujours 3 épisodes à peu près. C'est un cycle, voilà. C'est très très répétitif, je l'admets. J'espère quand même que ça vous plaît toujours. N'hésitez pas vraiment à me dire en commentaire ce que vous voulez que je fasse. Parce que j'essaye quand même d'être un petit peu originale, mais. Enfin, on peut pas vraiment être original dans le 100 bébés challenge, vous allez me dire. Hein, c'est un 100 bébés, quoi. Alors, aussi, est-ce que. J'ai une question, donc il y aura un petit sondage sur un i sur le côté tout droit, tout là-bas. Est-ce que. Faut pas que j'oublie de mettre ce sondage, par contre. Est-ce que vous voulez. Continuer à tout voir ou est-ce que j'enchaîne les papas hors caméra, peut-être en filmant ou en prenant des photos, enfin, ou en accéléré, etc., jusqu'à la prochaine matriarche ou je sais pas moi, un nombre précis d'enfants, enfin, c'est comme vous voulez, parce que je voudrais pas que ça vous saoule en fait, tout simplement. Je sais pas que ça vous saoule. Moi j'adore cette série donc ça m'embête pas d'y jouer à H24, mais pour vous, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez donc. Franchement, dites-le-moi. Dites-moi si vous voulez continuer à tout voir, si ça vous intéresse toujours, parce que c'est important quand même. C'est important que ça vous intéresse vous, puisque de base, ma chaîne, c'est fait pour échanger et vous partager des trucs. Donc si ça vous intéresse pas, il n'y a aucun intérêt à ce que je continue. Bref. Enfin, à ce que je continue de tout vous montrer, en tout cas. Enfin, bref. Allez, Clara. Clara, c'est... La pompe à fric. Elle sert qu'à ça, quoi. La pauvre, elle a même pas le droit à une retraite. C'est. Aïe, aïe, aïe.
Alors, Elantia, un petit pipi et mange des céréales. Elle a bien fait ses devoirs, hein, rassurez-moi. Oui, c'est bon, j'aurais dû vérifier. Oui, en fait, on s'en fout de son âge. Qu'est-ce que je faisais, moi? Ah oui, les besoins. Mais j'ai du mal, hein. Pipi, pareil, et des céréales. Non, non, mais pas ouvrir. Voilà. On va y arriver. Je suis désolée pour les bruits de bouche. Les bruits de bouche bien dégueulasses de Tata Loupi. Alors, oula, Clémentine, elle a très très faim. Alors, Clémentine, elle va aller faire un pipi déjà. Et elle va venir manger, s'occuper de son sale gosse. Oh! Allaiter. Yeah. Alors, qu'est-ce que tu peux prendre? Des boulettes de viande. Oh, c'est beau! Wouah! La classe, McFly. C'est un garçon, une fille. C'est ça qui est cool, on sait pas trop. Bah du coup les filles, vous n'avez pas grand-chose à faire, tiens, va débarrasser ton bol, écoute. Et t'as mangé ou pas, Kira? Non, elle a pas mangé, c'est génial. Sale gosse. Sale gosse. Allez zou, allez bosser, bande de feignasses. Alors par contre, vous avez travaillé dur. Hein? C'est bon, et toi c'est bon. Qu'est-ce qu'on pourra faire de toi, ma petite Clémentine? Clémentine? Bah, il n'y a pas grand-chose à faire. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette fontaine. Il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, ce que tu vas faire, tu vas jouer à un jeu vidéo. Et puis ensuite, tu iras programmer. Donc... Je sais pas si c'est considéré comme un vrai travail, ça. Je crois que c'était pas écrit dans les... Dans les règles, donc je sais pas du tout. C'est un peu comme la peinture, non? Enfin, je sais pas. Si vous savez, dites-le moi. Si vous ne savez pas, me le dites pas. Eh oui, je ne sais pas tout. Ah, il chiale encore? Mais c'est pas possible, ce gosse! Tais-toi, s'il te plaît. Putain, mais cette toile, elle est horrible. Tais-toi, j'ai dit. Bon. Toile réaliste. Allez, Clara, c'est parti. Clara, ensuite, t'appellera peut-être ta fille. Enfin, une de tes gosses, quoi. Tiens, on va appeler celle-là. Et puis, lui. C'était notre premier garçon. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était beau. Les jumelles, là. Et ça, c'est notre première fille. Donc, c'est Maki, hein, pour ceux qui savent pas. Qui fait des vidéos avec moi de Star Stable. Charlène et Aurélie aussi. Donc, c'est Lenny. Et puis. Comment elle s'appelle dans le jeu? Bah, ça s'appelle You. Et voilà. On s'en fiche. Je sais pas pourquoi j'ai raconté ça, mais j'avais envie. J'avais envie de vous expliquer un petit peu la généalogie. Alors, franchement, je suis plutôt fière de moi niveau déco. Hein. Enfin bref. C'en est où? Il reste à peu près 1 minute de let's play. Il est possible que je déborde un petit peu. Ah! C'est l'anniversaire de Sepp Play! Ah bah c'est parfait! Bah écoutez, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Clémentine, tu vas venir là. Non, je veux pas, je m'en fous de Wolfgang. Alors, nourrir, on va l'allaiter, on va changer sa couche d'eau de linné. Et puis, on va changer son âge. Attends, c'est bien? Oui, c'est bien son anniversaire, donc c'est bon. Allez, go! Oh, le bidon! Le bidon!
Et voilà, c'est un enfant. Oui, en même temps, ça allait pas être un chien, alors. Pouit. Ok, donc enfant turbulent et. Gnagnagnagnagna. Soigné. Ça va plutôt bien à Seb, je trouve. Alors, est-ce qu'il est kiki? Mais oui, il est kiki. Bon, je pense que je le mettrais blond parce que il me semble que Seb est blond. Remarque qu'il est beau comme ça. Seb, tu es très beau. Voilà. Ça manque un petit peu de rose. Oh non, par contre, les chaussettes tongs, c'est pas possible. C'est magnifique. Tongs chaussettes. Bon, je vais le relooker. J'ai envie de lui mettre un haut ou un pantalon rose. Je sais, c'est ultra cliché, mais c'est pas grave. Hop. En tout cas, il est très mignon. Dites-moi ce que vous pensez de lui dans les commentaires. Moi, je trouve franchement que c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Donc, tu vas faire tes devoirs. Et je vous laisse là-dessus. Je vous fais plein de bisous. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Et salut!